Alors. Je vais vous expliquer tous les boutons qu'il y a sur cette voiture. Donc là, c'est pour la clim. Donc c'est pour régler la température, le ventilo. Ça aussi, c'est où est-ce que tu veux que ça souffle. Ça, c'est le siège chauffant. Donc elle n'a pas le siège ventilé. Pour que ça te donne du froid, il n'y a que le chauffant. Sport, donc sport, ça, on va dire, ça maintient le RPM jusqu'à, je sais pas, par exemple 5 ou bien 6. Et le sport plus, il va le maintenir beaucoup plus. Tu vois? Donc tu peux appuyer soit sur sport, soit sur sport plus. Quand tu mets sport plus, c'est activé. Les deux boutons, ils s'activent de la suspension. Mais tu peux activer tout ce que tu veux tout seul. Tu vois, tu peux faire. Tu vois, regarde, tu vois, châssis sport selected ou bien sport plus selected. Je sais pas si vous arrivez à le lire bien. Ok. Donc ça, ce petit bouton, c'est pour rabaisser la voiture. Ça, bon, vous savez ce que c'est, je vous l'ai montré avec le comment on appelle ça. Ça, c'est l'ESP. Et là, bon, c'est le lane assist. C'est quand tu changes de ligne, vous avez entendu. Ça, c'est la ligne de pot d'échappement sport, donc avec les valves. Donc quand tu appuies dessus, les valves, elles s'ouvrent. Mais bon, ce moteur, tu peux pas vraiment profiter bien. Et ça, c'est le stop and start, option que j'aime pas du tout. Ok, et puis donc tu as les side assist aussi que tu peux contrôler par ici. Ok, donc allumé, ça veut dire que c'est en fonction. Les palettes, la boîte 7 speed dual clutch PDK. Donc je vous disais, ouais, elle a beaucoup d'options cette voiture. Elle a les Bose, tu vois, le système Bose. Elle a la lumière ici, alors que moi je l'ai pas, c'est option. Bon, elle n'a pas le Porsche ici gravé. Elle l'a pas. Bon, c'est pas grave. Elle n'a pas non plus le logo Porsche ici. Tout est option. Mais celle-là, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Elle a juste pas la meilleure option qui est le moteur. Mais ça reste une belle voiture. Vraiment, je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Donc en haut, qu'est-ce qu'il y a? En haut, tu peux arrêter le parking off. Tu vois, ça c'est pour que les boutons ils t'embêtent pas. Tu peux allumer la lumière. Bref, tu as des petites lumières aussi. Ça c'est pour panoramique. Ok, donc on l'ouvre tranquille. Et puis c'est tout. Ça c'est la lumière. Ça c'est pour la lumière de la porte. Bref, tout ça, vous savez très bien ce que c'est. Par contre, ça, je sais que vous savez pas ce que c'est, ce 1, 2, 3, mais je vais vous dire ce que c'est. Ça, c'est quand tu veux programmer, je sais pas, la porte de ton garage. On va dire que tu vas la programmer sur 1. Comme ça, quand tu arrives chez toi et que tu veux que le garage s'ouvre, ben, boum, tu appuies dessus et le garage il va s'ouvrir. Voilà. Ça, c'est pour les options qu'elle a cette voiture. Je peux même vous montrer donc le MSRP que j'ai trouvé ici. Et oui. Je vous ai dit qu'il faut toujours consulter le MSRP. Donc 2018, 252 chevaux, 263 pound-feet of torque. Donc c'est le couple. Vous pouvez voir donc toutes les options. Écoutez, 61 100 de base, 1920 pour les jantes 21. Et voilà, pour la consommation, tu vois, c'est du 20 en ville, 25 highway. Voilà, donc prix total 66 650. Voilà. Et là, tu peux voir tout l'historique. Elle est venue de Jacksonville. Elle a été envoyée à Porsche à West Broward. Bref. Voilà, c'était une petite présentation du Mac. On va voir comment ça se rabaisse. C'est baissé et ça s'est remonté.
Voilà, je suis quand même déçu, je voulais vous faire la vidéo du ta Cayenne, nouveau Cayenne, mais c'est pas grave. Yallah, tchallah, ria frascom, à très très bientôt, je vous aime beaucoup. Jamais de la vie. By the way, il y a quelque chose que tu voudrais que je parle avec ou que je ne parle pas avec. Laissez-moi un commentaire et j'essaierai de vous filmer ça. Ciao.